Le patron de la compagnie aérienne australienne choisit l'épreuve de force avec les syndicats. Il a donné l'ordre d'immobiliser tous les avions de Qantas depuis ce matin. Plus aucun vol intérieur comme international ne pourra partir tant que le conflit social qui dure depuis des semaines ne sera pas réglé, Alan Joyce assume. Par mesure de précaution, déclare-t-il, nous avons décidé de maintenir au sol tous les avions de Qantas. Si les mouvements de grève continuent comme l'ont promis les syndicats, nous n'aurons plus d'autre choix que d'arrêter nos activités secteur après secteur. La direction de la compagnie australienne prend un risque énorme. 600 vols sont annulés, 70 000 passagers affectés. La décision de tout stopper va faire perdre à Qantas 15 millions d'euros par jour. Les grèves de ces dernières semaines lui ont déjà coûté 51 millions d'euros.